Bon, ben maintenant, je vais vous présenter deux matchs en rafale, OK, d'une partie en équipe sans chuter. Et le premier, c'est avec CH Namis, OK, Seigneur, on a été, c'était une dominance totale, OK, on a remporté 8 KO ensemble. Ça a été vraiment, disons-le, facile, oui. Ça va de soi. Puis le deuxième, ça va être avec Lily. Oui, oui, Lily. Je viens de Floride. Et première partie sans chuter en équipe avec Pac-Man. Deuxième fois que je l'utilise. En équipe. Mais je n'aurais pas réussi à marquer un point, mais j'ai quand même réussi à avoir ma partie sans chuter avec Pac-Man. Mon deuxième. Le premier, c'était à 1 contre 1 dans un random, dans le fond, dans le jeu d'hasard, pour savoir quel personnage que t'as choisi, puis c'était Pac-Man. Et j'ai finalement réussi aussi une partie sans chuter en équipe avec Doc Hank. Et le plus drôle, dans cette même journée, okay, j'ai réussi à au moins aligner 4 parties de suite, 4 victoires de suite avec lui. Dont deux morts subites de gagner grâce à mes équipiers. Que ciao. Mais il survit. Mais oh lol. Bon, je mange météor, CH Namis. Là, il fait juste spammer, là. Oh, minute, là. Non, c'est correct, je m'en occupais, CH Namis. T'es pas obligé de faire tant des fucking punch, là. Occupe-toi de ton homme, là, CH Namis, là. T'as sauvé à 105%. Bon, on a suivi ensemble 217% de dégâts. Une partie sans jeter de 8 KO, ben oui, de 8. Comme vous pouvez voir ici. La dernière fois que j'avais réussi cet exploit-là, c'était avec un joueur qui jouait Palutena. C'est elle qui a réussi à récolter. C'est cette personne-là qui a réussi à récolter 5 KO, puis moi 3 KO avec Yoshi. Vous vous en souvenez? Et je crois que c'était le jour-là où j'ai subi à peine 63% de dégâts. Ouais, 63%. Avec Yoshi. Bon, maintenant la deuxième partie changée. En équipe, c'est avec Lily. Ah, puis en plus de ça, je me suis aligné deux parties de suite sans chuter. En jouant avec Lily dans la même salle. Vous pouvez lui demander, ok, elle a été témoin de mes deux parties sans chuter de suite. Puis elle aussi, elle a fait deux parties sans chuter de suite. Mais elle a fait avant moi. Genre, il y avait eu ce match avant ça, puis celui-ci. C'était une partie en changeant d'équipe avec moi. Et la deuxième partie en changeant que j'ai réussi de suite, c'est avec Doc Hank. Ben ouais, avec deux personnages, genre, qui est en boîtière. Hein, vous imaginez. Ouais, il y a quand même des bons adversaires, quand même, avec qui on se battait. Bon, qui a été le plus dominant entre les deux? Légèrement, moi. Dès le départ, ok, je fais déjà une bonne impression, ok, une partie de sans chuter de 6 points, imaginez, contre Lily. En jouant contre le joueur 8011. C'est la deuxième fois que j'utilise Pac-Man dans l'équipe. Et c'est une partie sans chuter. 0 points par contre comme Sonic. Bon, des fois c'est ça qui arrive. Mais il y a un chaos que j'aurais dû avoir, mais Lily a saisi trop vite l'adversaire. Genre qui était le joueur de Dracofeu. Tomoki est un bon joueur aussi là. Oh, excusez-moi, je trouve que j'ai dit encore un sac là. C'est un défaut là qui arrive.
Regardez juste ici, vous avez vu? Elle a saisi trop rapidement le joueur. Ça va pas être un chaos certain, celle-là. En fait, pour moi, là. Raté. J'étais du mauvais côté. Oh, j'ai sauvé à 95%. Et encore avec une autre saisie, c'est... Ben, merci, bonjour la visite. Alors, comment que je vais survivre à ça pendant 30 secondes? Ah, ça fait que j'ai carrément raté. Ouf, une chance qu'il m'a pas fait l'attaque du haut. Oh, j'ai sauvé à 136! Attaque à l'éclat 3, oh boy, ça peut être majeur pour moi, là. Au moins, merci d'avoir survécu pour notre première partie en chuté ensemble, Lily. Je pense qu'elle a subi que 96% de dégâts en bas de 100%. Félicitations. Congratulations. First no fall in team. En plus, mon premier parti en chuté en équipe avec Pac-Man. Là, il me reste juste des parties en multijoueur à accomplir. Pour mes personnages de NoFall. À date, j'en ai 16 sur, 5, sur 57 déjà de réaliser. Déjà beaucoup, là. Puis là, maintenant, ce qui est en vogue, c'est Falco. Ok, ok, il faut que je une partie à 3 joueurs pour que ce soit mon 7e personnage des NoFall. Ou Doc Hunt. Vu que j'ai réussi une partie en équipe, il me restait une partie en équipe et une partie à 3 joueurs à réaliser. À date, j'ai pas encore joué Doc Hunt à 3 joueurs encore. Ça reste déterminé le temps que je vais prendre pour ça. Puis avec Dr. Mario, il reste une partie à 4 joueurs et à 3 joueurs. À 4 joueurs, ça s'en vient, mais il manque quand même pas mal de temps. Une vingtaine de secondes au moins là, pour réciter. Même 30 parfois. Ou 35. Donc sur ça, on se rejoindra pour la suite.